Hello world, c'est Mouchou. Et oui, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, puisque comme vous savez, c'était un petit peu compliqué vis-à-vis de ma santé. Et donc là, spécialement, on va dire aujourd'hui, je fais donc cette vidéo tout simplement parce que on va faire un unboxing du cadeau que m'a envoyé Mio. Oui, parce que vous savez que je joue au jeu Honkai Impact depuis à peu près 2 mois. Et en fait, ce jeu, ben, j'ai participé à pas mal de petites sessions, parce que vous savez, par Facebook, ils font souvent des posts, on peut gagner des cristaux en fait, donc de la monnaie qui permet de faire des pulls sur le jeu. Ou d'autres achats comme d'hab, ben on va dire on fait des petits jeux en quelque sorte, par exemple style commenté ou partagé, truc de genre, on obtient un code et après ensuite ben on a du crédit en plus. Et cette fois-ci là j'ai participé à un post que j'avais pas fait gaffe, et en fait parce qu'en fait il y avait un concours interne aussi qui permettait de gagner en plus des figurines. Et oui, il y avait juste donc 2 participants qui pouvaient donc pour la version globale qui pouvaient l'avoir, et j'ai été sélectionné. Donc du coup, bah, j'ai voulu cacher un petit peu ça parce que bon, j'étais en bonne joie, mais je vous avais comment ça se passe ce côté dont on sait jamais, je préfère attendre le dernier moment. Et là en fait, je vais aller chercher donc ce cadeau qui est dans port relais pour après l'ouvrir avec vous. Donc vous voyez, en fait c'est ce poste là en fait que où j'ai participé. Vous allez voir un petit peu en plus en profondeur. Donc oui, ce post a été publié le 17 mars, pendant la période de campagne du 3e anniversaire du jeu, ainsi que la campagne Honkai Lucky Trip. En fait, c'est une vidéo qu'ils ont diffusée, montrant en fait les backstage, un petit peu tous les events, tout ce qui a été fait, on va dire, autour de ce 3e anniversaire. Et en même temps aussi, profite du coup pour remercier tous les capitaines, donc les joueurs, qui ont participé, accompagné et soutenu le jeu durant justement ces 3 dernières années. Parce que c'est quand même déjà 3 ans, comme on dit. Ça fait un bout de chemin, et le jeu est toujours présent et innove toujours. Hein. Avec, je vous dis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ils font des designs que j'adore. Il est prenant, le jeu, il est prenant. Une fois qu'on est dedans, je vous dis, si vous adhérez complètement, vous êtes foutus. Là, vous êtes accro complet, quoi. Enfin, comme moi, quoi. Donc dans ce post, comme je l'ai expliqué aussi, bah, il filait aussi, donc en gros le but c'était de commenter et de partager, et donc on gagnait des cristaux qui permettaient après d'avoir donc de la monnaie du jeu pour pouvoir pull. Et à côté de ça, comme j'avais dit, ben j'avais pas fait gaffe, il y avait une petite ligne qui disait qui plus est, 2 capitaines auront la chance de recevoir une figurine spéciale. Et ouais, là de rien. Et j'ai eu la grande surprise de voir comment dire une réponse à mon commentaire donc de Mio qui disait bien joué capitaine quoi. Comme vous voyez là, j'ai ce petit message là, avec on dit, j'étais choqué, comme choqué. Et j'étais en mode trop joie, la joie c'est fatal quoi, c'était trop beau quoi, même je croyais presque pas, je vous dis, comme je vous dis, j'étais en mode j'ai mis un peu de temps avant de réaliser. Et je vous dis, c'est d'avoir le message maintenant de la livraison qui dit comme quoi c'est arrivé, là on sait que c'est vrai et que je vais vraiment recevoir donc cette figurine. Donc c'est bonheur quoi. Donc sans plus attendre, on est parti pour aller chercher le colis. Hein. On a du chemin à faire et on va. Ben oui, je vais attendre moi d'émotion chaque pas que je vais faire. Je me rapproche du cadeau, je me rapproche du cadeau. Et je vous avouerai, je sais même pas quelle figurine il va y avoir. Donc ça va vraiment être la grosse surprise. Peut-être une petite, une grande, j'en ai absolument. Je sais même pas si c'est un personnage, je sais pas, j'en ai aucune idée. Ça va être vraiment la surprise. Donc on va partir pour le petit chemin. Hop, on y go. Et donc je suis plus qu'à quelques pas de récupérer donc ce fameux colis. Bientôt. Vous voyez dans la rue qui va être là-bas. Oui, là-bas, tout au loin. Où il y a déjà plein de gens en fait qui attendent aussi pour leur colis, parce que vous savez qu'en ce moment c'est un peu compliqué. Bon ben j'espère que j'ai pas trop attendre et que je vais pouvoir le choper rapide quoi. Donc voilà, j'ai récupéré donc mon colis, mon fameux colis que je vous avais dit là, donc il est arrivé. Voilà, donc il est pas très très grand, dirons-nous, et plutôt léger. Mais on sait jamais ce qu'il y a dedans quoi, donc on va voir, ça va être une petite figurine sympathique sûrement. Sûrement, quelque chose comme ça. Donc on va rentrer à la maison et on va découvrir tout ça. Donc de retour à la maison et maintenant on va s'occuper un petit peu de ce colis. Hein. Si vous regardez bien, là il attend bébé, il attend. Ça fait plaisir. Donc il vient de loin ce paquet cadeau, il vient de loin et on va découvrir ensemble qu'est-ce que ça donne. Hein. Donc mon arme. Un bon vécuteur, hein. Bah oui, hein, parce qu'il faut bien cutter tout ça, quoi. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans, parce que je savourerai que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, quoi. Ça va être... On va découvrir tout ça, quoi. Donc on va... Alors, je sais pas de quel côté je vais l'ouvrir. Tiens, peut-être sur le côté, on dirait que ça a l'air plus sympa de ce côté-là pour ouvrir. Ouais, ça m'a l'air un petit peu plus sympa. Donc on va ouvrir. Exciting! Donc comme j'ai dit, vous avez vu, donc le paquet n'est pas très... Enfin, très grand, en fait. Comme sa petite taille, quoi, et... L'air de rien, je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de pas mal sympa quoi. Après il était très léger, donc
Vous avez vu ce petit côté léger, c'est pas vraiment ce que j'ai acheté récemment des figurines. C'était un peu plus lourde. Mais bon, vous me direz, des fois, le poids, ça veut rien dire. Donc on va checker, vous voyez, donc on coupe, hein, je vais quand même délicatement. Forcément, pas forcément très simple de couper à une main, je vous dirais. Mais, on y croit. Donc on coupe, on cut. Hein. Donc on y va tranquillement parce que j'ai pas envie d'abîmer. Si jamais j'appuie trop fort, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'aurais pas mal là. Je pense qu'on a quelque chose. Voilà mon petit. Est-ce que je t'ai cuté assez? Apparemment, j'ai cuté assez. Là, toujours la sécurité. Faut bien penser à mettre votre cutter en cran, on va dire. Il n'y a pas de lame. On sait jamais. La sécurité avant tout. Donc là, on ouvre un petit paquet. Je vous avais dit, je ne sais pas du tout ce que ça va être. À votre avis, ça va être quoi comme personnage? Parce que c'est une figurine, donc forcément, ça devrait être un perso. Ça va être Aishan qui est en mode « Hey, c'est la fête !» Ou ça va être un autre personnage. Et ce que je veux dire, hein, peut-être une foua. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça va être. Hein. Vous avez, c'est de... Donc du coup, là, je vois la petite boîte, tac. Donc tac, vous avez vu, hein. On sort une boîte comme ça, cachée un petit peu. Ah, ça va, regardez, qu'est-ce que vous en pensez là pour l'instant, là, quand vous voyez ça comme ça? Ça fait penser à quoi ça? Ah, je sais pas, une Aishan peut-être, ah, Happy, ah, je sais pas encore. Oui. On va retirer ce qu'il y a dessus. Donc là, on y est presque, on quête, hein. Et donc, là, attention, suspense, qu'est-ce que ça va être? Oh, je sais pas du tout. Alors, alors, qu'est-ce que ça va être comme figurine? Hop. Donc la figurine gagnée pour donc les, je dis, les 3 ans de Honkai. Oh, on dirait que c'est une... Ah, c'est une quoi? Je sais pas encore, c'est violent, regardez, là on voit beaucoup mieux maintenant. Hein. C'est toujours un petit peu... Est-ce que je veux dire? C'est un petit peu encore plus ou moins caché. On voit un avion. Hop, allez, c'est parti. Donc voilà, c'est... Attends, c'est quoi? C'est ça, Sakura? C'est Sakura? Oh, c'est Sakura! Bah oui, c'est celle que je préfère en plus en jeu, quoi. Parce qu'elle est Sakura bien et elle est bien Sakurée. Vous voyez ce que je veux dire? On se comprend entre certains. Hein. Et comme par hasard. Ils l'ont fait exprès. Pas possible, ils l'ont fait exprès. Quoi. Une petite Sakura. Oh! Oh, regarde, ils sont dans son petit avion, vous avez vu? Et dans son petit avionique. Oh, une happy shoot. Oh, excellent. Excellent. Ah, avec un ressort. Ah, mais en gros, c'est le truc que tu mets sur la voiture, ça. Ouais, ce truc au principe où, voilà, ce principe que tu mets dedans et tu mets dans la voiture et ça fait j'boing. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Ouais, c'est ça. Yee! Comme on dit, happy! Ah ouais, non, franchement, ça gère. C'est badass. Ouais, franchement, comme on dit, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Bon, c'est beau. Je savais pas quel genre de figurine elle allait avoir, et franchement, c'est original. Très original, quoi. Franchement, au niveau, vous avez géré, franchement, ça fait plaisir. Je vous dis, ça fait pas longtemps, en plus, il y a des petits logos Honkai, vous voyez, sur le côté, là, on va dire, en haut, là. C'est classe. Il y a Sakura. Il y a des petits reflets comme ça. Enfin, je sais pas, je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Bah oui, je vais l'ouvrir. Oui, j'en train de délirer, je sais, j'avoue. Ah, mais c'est la classe, franchement, c'est bien, franchement, c'est la classe. Elle est stylée. Écoute, Mimi, regardez les yeux qu'elle fait là. Les yeux de je vais tous vous buter. Et comme je vous expliquais, ben voilà, ça bouge. Boing, ah, vous avez ce que je veux dire. Ouais, franchement, ouais, non, excellent. Non, mais je suis content, franchement, voilà, j'ai mon petit cadeau, quoi. Donc, c'est la première fois, je vous dis, où participe comme ça à un concours au pif, que j'étais même pas au courant qu'il y avait ça en plus en cadeau, quoi. Et donc, je gagne, ouais, franchement, ouais. Bon, quand je compare avec d'autres jeux où j'ai joué depuis, on va dire, il y a 4-5 ans, où on participe à des jeux où j'ai jamais gagné quelque chose, là, je vous dis, en à peine 2 mois, j'ai gagné quelque chose. C'est beau, ils m'ont fidélisé, c'est beau. Franchement, voilà, c'est la classe. Donc voilà, bah voilà, je vous ai fait mon petit unboxing de bah, du cadeau, hein, que je savais pas du tout ce que ça allait être, donc je suis quand même hyper joyeux de ce qui est tombé. Ouais, franchement, ça fait plaisir, ça gratifie, ça, et ça vous fait délire à fond, quoi. Je vous dis, là, je suis parti pour jouer, à mon avis, pendant longtemps à ce jeu-là, quoi. C'est obligé maintenant, obligé. Donc du coup, ce que je vais faire, bah,
Déjà, je remercie Mignot pour ce cadeau-là. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de jouer à Honkai Impact parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à y jouer, quoi. Je suis trop à fond, quoi. Bon, faut que je fasse gaffe à me calmer un petit peu sur les sous parce que là, je lâche un petit peu trop de packs, hein, parce que je suis un crack un peu trop facilement, quoi. Mais voilà, quoi. C'est les persos, ils sont cool, tout est cool dans ce jeu-là. Ceux qui jouent pas encore ou qui jouaient avant, bah rejouez-y, jouez-y, franchement. C'est sympa, et les, je dis que le design, tout, la HD est super sympa, quoi. Et les coups sont. Ouais, je fais mon petit moment de promo pour le jeu. Ouais, forcément, je suis corrompu maintenant avec les vidéos. Donc du coup, ben là ce qu'on va faire, ben on va voir un petit peu la vidéo que je vous disais tout à l'heure du poste. Parce que là je ne l'ai pas encore montré. Et comme ça vous aurez un aperçu justement de ce qui s'est passé donc pour ces 3 ans et de pourquoi, du comment, de pourquoi je suis happy. Ah non, franchement ça fait plaisir. Happy. Merci encore mieux. Merci mon guide. Merci beaucoup. Merci à vous public. Oui, aussi. Tant qu'à faire. Bon ben, tchou et à la prochaine. Tchou. Celebrating the 3 years anniversary of Honkai Impact 3rd Global Server. Happy birthday! Thank you, Captains, for staying with us all this time. I'd like to bring you a piece of Honkai Sekai no Utahime. Hope you like it. Kegareta kanashii ego Ushinatte kimi no nukumori Oshi no hikari kiete yuku no owari no hi Yasashiku mi wo sasage Akai tsuki ga chimamire machi wo hime yo している関智一です。艦長たちを愛する人とずっと幸せになれることを祈っています。これからも美しい世界を守るために一緒に戦いましょう。我会一直战斗到最后一刻。各位舰长好，我是林素，在崩坏三中为无量塔机子配音。回忆是迷迭香的花语。大家好，我是配音演员小恩，在崩坏三中我为丽塔配音。光翼展开。各位舰长大家好，我是 Diana 的配音好点，任重而道远。大家好，我是 Nace， 在崩坏三中为浮华和石之律者配音。我会将崩坏驱逐出这个世界。大家好，我是喵酱，是幽兰贝尔的配音。我将坠入黑暗，唤你回到光明。舰长们大家好，我是菊花花，在崩坏三中为雷电牙医配音。在这里呢，要祝 Global 服务器的舰长们三周年快乐！祝 Global 服务器的舰长们，祝 Global 服务器的舰长们，祝 Global 服务器的舰长们三周年快乐！三周年快乐！三周年快乐！三周年快乐！爱将祝各位老板们三周年快乐！